وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. » Les compagnons présents ce jour-là demandèrent « Qui pourrait refuser d'y entrer ?» Le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit « Quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. » À ce hadith, on peut se référer à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Après avoir entendu ce hadith, on peut se dire que dans ce cas-là, le paradis est gagné d'avance. Mais malheureusement, il y a des gens qui commettent des actes qui, malgré le fait qu'ils auront fait beaucoup de bonnes actions, leur donneront beaucoup de regrets au jour de la résurrection. Le Ramadan approche et pendant celui-ci, nous aurons l'occasion de faire énormément d'efforts dont la récompense sera plus que décuplée. En plus des bonnes choses qui viennent durant ce mois béni, vient quelque chose d'extrêmement dérangeant et qui salit l'image de l'islam et des musulmans. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous avertit. Craignez les deux grandes causes de malédiction. Et les compagnons ont naturellement demandé de quoi il s'agissait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit « Celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sur les endroits ombragés que ceux-ci utilisent. » Imaginez un homme travaillant dans un pays chaud et qui pendant son temps de pause a l'habitude de s'abriter à un arbre. En s'approchant de cet endroit qui l'apaise, il est heureux à l'idée de se reposer et d'oublier quelque temps sa journée si compliquée. Soulagé de trouver un peu d'ombre en cette forte chaleur, il sent une horrible odeur. Et se rend compte que juste à côté de là où il a l'habitude de se reposer, quelqu'un n'a pas pensé aux autres et s'est tranquillement soulagé. Le fait de simplement retirer un objet du chemin ou de la voie publique est la plus petite branche de la foi. Mais qu'en est-il de celui qui gêne, un endroit fréquenté par les gens et par cela gêne musulmans et non-musulmans? Dans le hadith, on nous parle d'éviter de gêner le chemin, et encore plus loin, là où les gens profitent de l'ombre. Cela pour nous obliger à faire énormément attention aux résultats que pourraient avoir nos actions. À réfléchir lorsqu'on fait tomber quelque chose ou qu'on fait une quelconque action, qu'on en vienne au moins à se poser cette simple question. Est-ce que cette chose ne va pas déranger quelqu'un? Ou bien ne vais-je pas prendre un péché en faisant cela? Les péchés en eux-mêmes, le mal que l'on se fait à soi-même est grave, mais ceux qui touchent d'autres personnes sont beaucoup plus importants. Et comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo, ils pourraient totalement nous ruiner au jour du jugement. Pendant le Ramadan, on voit des musulmans qui font du bruit en bas de leur bâtiment, et par cela gênent musulmans comme non-musulmans. Prenons l'exemple des jeunes qui mettent de la musique ou parlent beaucoup trop fort après avoir rompu leur jeûne. Ils gênent en même temps par leur nuisance celui qui veut faire ses adorations, et même un non-musulman qui n'a rien demandé et se repose tranquillement dans son salon. Craignons Allah dans nos actions car il est le juste, et n'aime pas voir ses serviteurs gênés ou blessés par des injustes. Réfléchissons à ce que nous faisons, à ce que nos paroles ne soient pas trop fortes, à ne pas gêner autrui ou tout simplement les gens de notre famille. Et ne jamais oublier que celui qui se fait du mal à lui-même ou bien aux autres empêche sa propre entrée au paradis. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.